Salut les amis, on se transforme en Super Saiyan pour passer un bon moment ensemble et éventuellement défoncer des gueules dans cette vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour le sixième épisode sur Ratchet & Clank 2. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et n'oubliez pas que j'ai un Instagram et que je serais très content de que vous vous y abonniez. Et voilà. Je partage des photos, des trucs, et on peut discuter éventuellement sur les let's play. Enfin bref, tout le blabla habituel. Donc on s'était laissé ici, pile poil à cet endroit. Et donc je quitte, et on est parti pour Canal City sur Notak. Alors faut trouver le voleur dans Canal City et explorer la promenade. La promenade. Alors, il y a une bonne réception ici? Il y a une chaîne de sport, de météo, de science aussi. Continue. Wow, c'est quoi ça? L'homme, le mythe, la légende, le perdant. Le capitaine Quark, autrefois adulé dans toute la galaxie, a fini par toucher le fond. Après avoir été humilié par Ratchet & Clank, Quark s'est mis à vendre des imitations qu'il faisait passer pour des produits Gadgetron. Mais en raison d'un défaut de fabrication, l'hygiénateur personnel a provoqué de graves irritations et les autorités ont fini par découvrir l'arnaque de Quark. Retrouvez l'envers des héros juste après ces messages. Le pauvre Quark, il en prend plein la gueule. Encore trop tard. On arrive toujours trop tard. Comment cela se fait? Bon, et si on fouillait cet endroit pour savoir où il est allé? Pour afficher une carte. Ouais, allez, on va fouiller. On va bien voir ce qu'il y a à voir ici. Concernant l'épisode précédent. Alors, je l'ai vu. Et bon, comme je le disais dedans, je l'ai fait juste après m'être réveillé, donc soyez indulgents. Mais ouais, je suis un peu à côté de la plaque, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, c'est assez drôle à voir. Et bon, sinon, je galère vraiment avec tout ce qui est vaisseau. Je galère de ouf. Du coup, j'espère qu'il y aura pas tant que ça de phases comme ça. Je me rappelle plus très bien en plus. Il me semble qu'en plus le chef des Trust for Lice là, ou je sais plus comment on dit, il me semble que c'est comme ça qu'on le bat en plus. C'est dans une phase en vaisseau. Dans mes souvenirs. Hein. Alors j'espère me tromper. Et j'espère que c'est dans. J'espère que c'est autrement parce que sinon c'est la galère. Mais tu vas claquer? Ok, bon. Ils ont l'air un peu difficiles à défoncer. Alors, on va prendre une arme. On va prendre cette arme-là. Hop. Je ramasse les munitions. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hop. Hop. Voilà. On laisse faire. C'est ça que j'aime bien avec cette arme, c'est que tu fais rien, tu laisses faire. Aïe. Aïe, je me suis. Waouh, comment j'ai pris trop cher? What the fuck? Mais d'où? D'où? À quel moment? À quel endroit? Pour quelle raison? Comment j'ai pris trop cher? Oh là 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 là. Ça picote. Ça picote, ça picote, ça picote. Ah d'accord, il est là le truc. Mim. Voilà, il n'y aura plus de gens pour m'emmerder. Mais, mon dieu, je vais mourir. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas mourir comme ça. Ah, trop con. Je peux pas mourir comme ça, c'est pas possible. Aidez-moi. Seigneur. Ah ouais, d'accord. Bah, en plus, si je les mets tous du mauvais côté, c'est vraiment compliqué, là. Et voilà. Super. Oh, puis je retourne. Par contre, les checkpoints. Mais... Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ça n'a rien à voir avec Ratchet & Clank 6 Meters. Hein. C'est 10 fois plus... Problème... 10 fois plus chiant, quoi.
sont vachement plus loin. Vachement plus loin. Ouais, ça se dit. Et franchement, waouh. C'est juste... Bon, je fais ça pour que ça augmente. Parce que c'est super important. Parce que cette arme-là, c'est une arme que je bourre beaucoup, que j'aime beaucoup. Et du coup, je la bourre un maximum, quoi. Je la mets. C'est pour ça que je vais l'augmenter très rapidement. Comme ça, j'aurai pas de problème avec. Vas-y, on monte. Ok. Allez, prends-toi ça, vas-y, mange. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok, donc là, ici, il n'y a rien. Ça me fait chier parce que j'ai l'impression que je suis en train de louper des trucs. Voilà. Merci, au revoir. Hop, on remet les tourelles. Mais comme elles ne sont pas sorties, il n'y aura rien. Allez, attaquer. Là, ici, on peut pas monter dessus. Merde, mais ils sont où les boulons, là? Commence à me courir sur le haricot, cette histoire. Moi, je veux choper les boulons. Ok. On récupère. Peut-être j'aurais dû voir les astuces pour choper tous les boulons. Et faire les boulons en même temps. C'est ce que je suis en train de me dire. Je me dis, ça aurait pu être cool qu'on voit ensemble où sont les boulons sur chaque planète. Et ouais, ça aurait pu être sympa. Faut que j'y réfléchisse. Encore plus de boulons. Tiens, je viens d'avoir un succès tranquille, au calme. Donc je vais peut-être faire ça en off. Et vous le proposer en épisode bonus. Ouais, peut-être. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un épisode où on récupère tous les boulons? Mais de toute façon, encore pour 6 meters, j'ai pas trouvé de vidéo où on voit où sont tous les boulons. En français. Dans les langues étrangères, j'ai pas regardé. En tout cas, en français, ça n'existe pas. En vérité, il y a très peu de vidéos sur 6 meters en français. Même si j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des let's play, hein. À l'époque où j'ai fait le let's play, moi, il y avait une seule personne qui l'avait fait. Et c'était en qualité dégueulasse. Hein. Enfin, après, tu vois, faut pas critiquer non plus les gens, tu vois, parce qu'ils font avec comme ils peuvent. Mais clairement, la personne, elle avait pas un matos de ouf, tu vois. Le son était dégueulasse. La vidéo était dégueulasse. Tout était dégueulasse, en vrai. Mais elle a fait comme elle a pu, et en plus elle l'a fait largement avant moi, la vidéo. Donc, pour ceux qui voulaient vraiment voir un let's play, je pense que c'était déjà cool, tu vois. Alors, attends, où je suis, là? J'ai fait le tour, mais j'ai rien eu. C'était quoi le... Alors, attends, j'ai rien compris, là. Il y avait rien à... J'ai gagné quoi, là, à venir ici? Attends, mais what? Écoutez, je ne sais pas. Donc, on a été par ici. On va aller par là. Mais ouais, là j'ai pas compris. On a ramassé un truc au bout là. Bah en fait j'ai pas fait attention c'était quoi. Et j'aurais peut-être dû parce que là du coup je suis totalement perdu. Faut que je reprenne mon arme. D'ailleurs j'ai pas pris de munitions. J'aurais peut-être dû en reprendre. On récupère le peu de vie qui manque. Mais là, honnêtement, j'ai vraiment pas compris. Attendez. Objectif. Non, faut que j'aille dans la... Faut que j'aille dans le vaisseau pour revoir mes objectifs. Parce que, alors là, j'ai rien compris, là. What? What the fuck? What the fuck? Alors, attendez. Là, il y a un truc... Ok. Ici, il y a un truc, et de l'autre côté, il y a un truc.
Quand je dis truc, je veux dire passage. Désolé. En fait, souvent, j'ai remarqué souvent, ça je le fais souvent dans tous mes let's play, c'est que, en fait, quand je j'arrive pas à dire ce que je veux dire, je dis un truc. Mais en plus, souvent, c'est des trucs à la con. Là, regarde, c'était pour dire passage. Et genre, je dis un truc. Enfin bref, c'était pour dire passage. On récupère tous les boulons possibles parce que on veut s'acheter toutes les armes possibles. Voilà. Ah, le bruit sur la glace, là. Voilà, on est monté. Hop, hop. On récupère les boulons. Parce qu'on veut tous les boulons. Voilà, on va prendre une de mes armes préférées. Hop là. Comment on a fait le ménage, celle-là. Par contre, c'est un truc de ouf. Il faudrait des tourelles. Bon, j'en ai récupéré, mais pas beaucoup. C'est pas ouf. Voilà, donc bon, on va faire comme on peut, hein. Hop là, on esquive tout le monde. On tue tout le monde. Qu'est-ce que tu crois faire, toi? Mais qu'est-ce que tu veux te battre? Viens te battre si t'es un homme. Mais, tiens. Mais, tiens, j'ai dit. Il m'a mis cher, quand même, en vrai. Je pensais que je l'avais touché, tu vois, avec mon arme, et qu'il lui restait pas beaucoup de vie, mais je pense que j'ai pas dû... Je pense que je l'ai touché zéro fois, en fait. Mais... What? What the fuck? Allez, on monte. On monte, on monte. Ah! Je me suis retourné 2 secondes pour regarder où j'en étais. Oh! Non. Attends. Je déteste ce jeu. C'est définitif. Non mais allez vous faire foutre. À un moment c'est bon, stop. Allez vous faire foutre. Non bah là franchement je les esquive, hein. Attendez, faut pas abuser non plus. Non mais les checkpoints dans ce jeu, c'est juste horrible. Ça n'a aucun sens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les checkpoints. Allez, vas-y, au revoir. Ils ont trop cru. Putain, alors que je regardais juste le truc. 2 secondes, quoi. Voilà, bim, bam, boum. Allez. Non, non. Voilà, ok, super. Là, je vis ma meilleure vie, là. Je suis trop fan. Franchement, waouh, magnifique. Mon Dieu. Mon Dieu, ce jeu. Là, c'est pas cool du tout, là, en vrai. Hein. Les checkpoints sont dégueulasses. Au cas où vous auriez un doute sur ce que je pense, c'est... dégueulasse. Bon. On va pas se démotiver pour si peu, bien sûr. Voilà. On va tous les défoncer et on va bien faire attention de pas tomber. En fait, le truc, c'est que mon écran est sur la droite. Non, sur la gauche. Mon écran d'ordinateur est sur la gauche. Et dessus, bah, il y a le nombre de minutes. Il y a le nombre de minutes, quoi. Du coup, je me suis retourné. Pour regarder ça faisait combien de minutes. Parce que j'avais l'impression que ça faisait longtemps. Alors que ça faisait que 11 minutes. Et voilà. Je me suis fait défoncer. Oh là là. Ah, le checkpoint, il est dégueulasse, par contre. Ça, c'est horrible. Bon, ça me perturbe parce que je trouve aucun... Il y avait un truc, là-bas.
parce que je trouve aucun boulon. Et ça me perturbe. Et je commence à avoir mal à la jambe comme la dernière fois. En fait, là, je suis dans ma chambre, posée. Ah, j'ai plus de munitions. Et du coup, je suis très très mal posé en réalité. Je me fais très très mal. Mais non ! Et me remets pas au début, me remets pas au début. Non mais... À un moment, stop. Juste, stop. J'avais plus de munitions. Vas-y, allez, vas-y. Nique ta... Non, j'en veux pas de ta merde. Nique ta... Voilà, tu m'as compris, quoi. C'est bon, un moment, stop. Allez, vas-y. Non, mais c'est trop. Un moment, c'est trop. Je veux bien être gentil, mais là, attendez. Faut que j'aille à quel endroit pour... Putain, je sens vraiment plus ma jambe, par contre. Ma jambe est en perdition. Ma jambe est en train de dire au revoir à mon corps. Alors j'ai changé de position et je sens le sang recouler dans mon pied. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dû me bloquer la circulation de ma jambe. Et ça fait très mal en fait. Là je suis en train de douiller ma race. Mais je ne dis rien. Et en plus, je suis en train de mourir dans ce jeu de merde avec ces checkpoints de merde. Ah non, le jeu il est bien, mais c'est les checkpoints qui sont pourris. Putain. Aïe, 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 aïe. Je douille ma race. Je douille ma race. Je demande une minute de silence. Pour ma jambe. Mais non, mais... Oh, vas-y. Non, et en plus, ils sont franchement durs à battre. Allez, vas-y, c'est bon. What? Il y a eu un ralentissement, là? J'ai rien compris. Merci, au revoir. Plutôt efficace, cette arme, même s'il n'y a pas beaucoup de munitions. Et qu'elle met extrêmement longtemps à recharger. Voilà, merci, au revoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un boulon quelque part là? Parce que c'est bon, stop. À un moment, je veux. Je prends les coups de bâton, mais j'aimerais bien avoir une petite récompense. Bon, apparemment, c'est fermé partout. Je récupère de la vie. Là, il y a peut-être un truc ici. Non. Bon. Du coup, je suis très très éloigné du micro. J'espère que le son sera correct. Mais en fait, j'étais tellement en train de douiller ma race que j'ai eu besoin de prendre un peu de recul. Bon. Bonne nouvelle, il y a eu un checkpoint. Donc là, je peux mourir techniquement. Voilà, merci. Ah là là, c'est chaud. Hein. C'est chaud patate. Ah. Vous avez un vaisseau à améliorer. Vous avez peur de vous faire prendre. Chez Slim Cognito, c'est motus et bouche cousue. Qu'il s'agisse d'armes, de boucliers ou d'un nouveau module hyperspatial, on les installera vite, pour pas cher, et surtout, discrètement. Alors si vous voulez faire quelques améliorations pas tout à fait légales, souvenez-vous de ce nom. Slim Cognito, nos contrôleurs qualité. C'est fou. Des modules spatiaux. Tu crois qu'on a le temps de faire un petit saut chez Slim? Ou alors, on pourrait peut-être aller faire un tour dans cette usine de produits chimiques. Quelqu'un saura peut-être nous dire où est le voleur. Ok, ça c'est intéressant. Slim Cognito, c'est toujours... C'est toujours un bon délire. Bon là, il y a l'usine là-bas. Je pense qu'on va se laisser devant. Voilà. On va se laisser devant pour... pour laisser à ma jambe le temps de récupérer. Et parce que... Voilà. Parce que ça va faire plus de 20 minutes.
Ok. Ça marche. Et j'ai plus beaucoup de vie. C'est limite un bon deal de mourir tout de suite. Checkpoint. Ça, c'est cool. Allez, on entre dedans. On va visiter un peu quand même. Hop. Quoique, l'épisode d'avant, il était plutôt court. Et j'aime pas les épisodes courts. Je m'étais mis dans la tête de faire des épisodes plus longs maintenant. Alors peut-être que je vais le faire un peu plus long, celui-là. Pour compenser. Voilà, je pense que ça, c'est une bonne idée. Ouais, on monte là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On monte ici. Non! Ah, c'est pas possible, ça. Voilà. Ok. Ça, c'est cool. Là, il n'y a rien ici. Ici, il n'y a rien non plus. Dans l'eau, je pense qu'il n'y a rien. Parce que j'ai pas regardé. Bon. Tu vois. J'en ai fait exprès, je voulais dire. C'était pour ramasser les boulons. Bien sûr. Vous me connaissez tous. Moi, je fais zéro faute. Je suis l'exemple même du mec qui meurt jamais. Dans les jeux, d'ailleurs, c'est très chiant. Parce que jamais je ne meurs. Ah d'accord, ok, super cool. Il y a une sorte de mur. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'y suis mal pris ou si c'est parce que je suis nul. Sachant que les deux sont possibles. Allez. Hop là. On plonge. On monte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bah, pas grand-chose. Ok. Ok, là, on est de l'autre côté de là où on était tout à l'heure. Ici, il n'y a rien. Lui, on le défonce. Lui, on le défonce. Lui, on le défonce. Il y a encore un checkpoint. Franchement, ils se foutent de ma gueule. Tout à l'heure, ils me font vivre l'enfer avec des checkpoints... À 10 000 km de là où... Ok, bon. Vas-y, ne relève pas, ne relève pas, Kevin, ne relève pas. Ok. Ok, c'est cool. Quoique, attendez, on regarde... Je me dis qu'il y a des boulons qui traînent et je sais pas où ils sont. Bon, apparemment ils sont pas ici. Hop là. On ramasse les boulons qui traînent dans les petites caisses. Un petit coup de gel. Ok, bah en fait on retourne de là d'où on vient. Voilà, et il faut traverser tranquillement. Donc on va prendre son temps. Voilà, on fait ça bien. C'est mieux. Un checkpoint. Franchement par contre là, c'est foutage de gueule. Foutage de gueule sur 20. Ah. Ok, donc faut le faire quand il est au plus haut. Allez, allez, allez. Je pense que c'est bon. Ok, c'est cool. Je suis à combien de minutes? Je suis à 24 minutes. Ouais, c'est bien. On peut continuer encore, je pense. Hop, hop.
Hop. Alors. Bien sûr, il y a cet endroit-là où qu'on peut faire. Et puis là, il y a quoi ici? Ok, c'est de là d'où on vient. Donc là, il y a encore une saloperie ici. Oh non, l'erreur. Oh, l'erreur. L'erreur des débutants. Checkpoint. Mais ça va, ça me met pas loin du tout. Alors. Voilà, parfait. Bon timing. On monte là. On monte ici. Là, par contre, il faut qu'on puisse traverser. Allez. Voilà, c'est parfait. C'était le sens contraire de l'autre. Il y a une saloperie ici aussi. Aïe. Bah comment je vais faire? Alors là, attendez, je comprends pas là. Je vais me faire bouffer là. Il y a une saloperie ici. Ah, il est pas assez haut. Ok, ça marche, j'ai compris. Il était beaucoup trop bas. Voilà. Et franchement, là, dans les épisodes, j'ai vraiment beaucoup de mal hein, à m'en sortir. Je sais pas ce qui se passe, mais on pourrait croire que je suis nul. Alors que la vérité est tout autre, vous le savez bien. Ah non, c'est raté. Je sais pas si je passe. Je sais pas si je peux m'accroupir. Non. Alors, c'est raté, mais de pas grand chose. Allez. Je tiens le bon bout, faut pas que je lâche. Là, c'est bon. Là. C'est perfect. Tu vois, et normalement, je suis assez haut pour monter. Voilà, tu vois. Ici. Voilà, c'était ça le délire. Ok. Mais là, par contre, je suis trop court. Alors là, par contre, je comprends pas. Ah. J'ai compris. Faut que je le fasse pour qu'il monte. À mon avis, ça passe. Ça passe de pas grand-chose. Voilà, ça passe tranquillement. Il y a un peu de réflexion quand même. Hein. Alors, il y a encore une saloperie ici. Je suppose que c'est le même délire que tout à l'heure. Faut que je le fasse à la limite. Voilà, je pense que ça passe là. Ah non, ça passe pas. À un centimètre près, quoi. My God. J'étais à une frame de le faire correctement. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est perfect. It's perfect. Ok. Ok, il y a un truc pour regarder ici. Ces robots peuvent nous aider. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu des zinzins masqués? Je crois qu'il vaut mieux que je leur parle. Ah,
Un client masqué est récemment passé prendre une commande. Puis ils ont reçu un message de lui qu'ils acceptent de nous montrer en échange d'un peu d'argent. Quelle bande de crevards, 6000 boulons. Oh là là. Mettez-moi plutôt 5 conteneurs et 4 d'hydrogène liquide. Oups, ajoutez 6 caisses de nitroglycérine et... Donnez-moi la double de la dernière. Et je voudrais être livré. Hey, quoi? Quoi? Oh, rien, c'est de l'humour de robot. Ok, petit Charlot, en route vers ses coordonnées alors. Ok, petit Charlot. Bon, on a récupéré 2 coordonnées là sur cette planète, donc c'est assez intéressant. Je pense que je vais aller voir Slim Cognito en premier et qu'après on va faire l'autre planète. De toute façon, Slim Cognito, je pense que ça sera une planète vite faite. Et qu'il n'y a pas grand chose à voir à part les améliorations. Voilà. Donc on va se laisser ici pour cet épisode. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures sur Ratchet & Clank. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer si ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai vraiment envie de vous revoir très très vite. Donc on se retrouve très très vite. Je l'aurais dit au moins 4 ou 5 fois. C'est super. A plus dans le bus.